bien, salut tout le monde, bande de coquins, c'est Monsieur Petit Padawa, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat-revente pendant la TOTS. Donc voilà, c'est le premier épisode, je vais essayer d'en faire plusieurs, mais vous allez vite comprendre la technique. Donc voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres, si elle vous plaît. Donc on va voir, donc je vais vous expliquer la technique. Donc tout simplement il s'agit de la TechFut millionnaire. Vous allez dire, ouais mais il y a d'autres youtubeurs qui ont fait ce genre de vidéos les gars. Mais non, là c'est pendant la TOTS. Donc la TOTS c'est quoi? C'est les joueurs, les meilleurs joueurs de la saison. Donc par exemple vendredi soir il va y avoir la TOTS Barclay Premier League à 19h qui va commencer à être dans les packs. Donc il y aura du Kevin De Bruyne, etc. Je ne sais pas encore parce qu'ils n'ont pas encore dévoilé la liste. Donc tout simplement je me suis dit, bah Alexis, t'as fait le con, t'as paqué et tout. Maintenant faut remonter les crédits pour la TOTS si tu veux paquer. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi un peu. Voilà, c'est la TOTS vendredi soir. Donc je me suis dit, eh bah, faut faire sur les joueurs de BPL. Donc pour faire sur les joueurs de BPL, je me suis rendu sur Futbin. Vous allez dans l'application, donc Futbin, hein, je vous le mettrai dans la description. Vous allez dans l'icône Fut16, Fut16 joueur je crois. Et tout simplement ensuite après vous allez rentrer votre prix. Donc vous allez mettre entre 1000 et 3000 crédits. Donc Futbin va vous montrer tout simplement les joueurs qui se vendent le plus. Et ensuite vous allez vous mettre embarqué première ligue et du coup bah vous allez avoir du John Terry, du Pedro, etc, du Smalling et tout. Donc voilà, vous prenez ces joueurs là et quand vous en avez marre de faire cette quand vous avez déjà tout acheté comme joueur, et ben vous les rachetez tout simplement. Et franchement c'est une technique qui marche très très bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait 6 ventes en une heure, donc c'est vraiment bien, sachant que j'ai que 30 000 crédits d'investi dessus. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai acheté un John Terry, donc je l'ai acheté 1200 crédits, je vais le remettre 700 de plus. Donc voilà, pour les joueurs qui sont en dessous de 2000 crédits, je les mets tous en dessous je les mets tous 500 de plus, ou ceux qui sont au dessus je les mets souvent 800 de plus ou 700 de plus. Donc ensuite on va aller chercher un upgrade. Donc je vais vous montrer comment on fait pour aller chercher un upgrade sur le marché. Ça vous allez sur l'appli web ou c'est facile, vous avez juste à le mettre dans l'équipe concept. Ou tout simplement je vais vous montrer la technique. Donc là on va aller chercher un petit Petre Sech. Voilà, c'est vraiment pas une technique compliquée hein, si vous voulez. Vous mettez au prix que vous voulez après les joueurs. Ne vous inquiétez pas, ça va partir de toute façon. Là en plus les prix sont en train d'augmenter. Donc genre là Sech il était vers 2500 crédits. Hier il est déjà monté à plus 2000 crédits. Non, 2700 il était hier et il a monté quand même jusqu'à 3500 crédits. Il me semble que quand j'ai tourné la vidéo il était au prix de 3500 crédits. Donc voilà, tout simplement le joueur vous allez le chercher avec des contrats et de la forme, je vais y arriver, et un style. Donc là je vais mettre le style chat 86. Donc voilà le upgrade, je sais pas si vous allez avoir, mais les autres ils sont à 85 de général et le upgrade à 86. Donc vous allez prendre celui à 86, vous allez voir. Donc voilà, je vais prendre celui-là, regardez, 21,98, c'est parfait. Donc je vais le prendre et je vais tout simplement le relister 600 crédits de plus. Voilà, c'est ma technique pour que ça se vende plus rapidement. Après, vous pouvez le mettre 1000 crédits de plus, vous pouvez le mettre 800 de plus, 800 de plus, ça marche bien. Mais bon, ça se vend moins parce que... Voilà, donc sachez-vous que en 3 relistages, je me suis fait... Allez, 20K, 30K. Sachant que j'avais que 25 joueurs dans ma pile à peu près. Donc on multiplie par 4, ça fera à peu près 100 000 crédits en 4 langues. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà. Les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Merci aux chaînes communautaires si elles m'uploadent. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Foot IRL de la communauté FUT. Elle sera dans la description. Et moi je vous dis tchuss.